Regardez-moi ça. Vous ne voyez pas ce fond magnifique? Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouh, comme vous pouvez le voir, mes éclairages ont changé. J'ai eu un petit cadeau de quelqu'un, je ne voudrais pas encore parler. On verra peut-être plus tard. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va changer ma rotation make-up. Maintenant je sais faire la différence entre Project Pan et rotation make-up, hein. Parce que je me suis lancée le mois dernier, si vous n'avez pas vu ma vidéo vous pouvez toujours aller la voir. Où je démarre un Project Pan rotation make-up. Apparemment la différence dans Project Pan, c'est qu'on veut finir le produit. Et rotation make-up, c'est des produits qu'on utilise en rotation tous les mois, qu'on change. Il y a quelques produits qui sont en Project Pan et la plupart des produits sont en rotation make-up. Voilà, pour pouvoir varier les plaisirs. Ok. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias JupiTiFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Je parle tellement vite que j'ai du mal à articuler. Donc on va tout de suite commencer par le teint. Je vais me rapprocher pour bien vous montrer les produits. Et du coup par le teint, j'avais deux bases que j'avais sélectionnées. J'avais sélectionné ces deux là. Donc si jamais vous voulez vraiment avoir le détail des produits de mon Project Pan du mois dernier, allez voir ma vidéo, vraiment hein. Et du coup comme vous pouvez le voir, il n'y en a presque plus. Celle-ci, c'était la Prep Plus Perfect de chez Primark. Et celle-ci, du coup, je la laisse en Project Pan, vu que je vais la terminer. Et celle-ci, je ne l'ai pas terminée. C'était ma base de teint matifiante et lissante de PLAB. Je l'ai bien utilisée aussi pour flouter les pores et tout, mais clairement, c'est trop matifiant pour moi. Ça me tirait, ça me faisait pas une peau lisse, justement. Enfin, c'était lissé, mais sec. Donc du coup, c'était pas très joli. Donc celle-ci, je vais l'enlever. Et du coup, je vais rajouter plusieurs bases. Parce que j'ai remarqué, dans ce mois, j'ai vite tourner en rond et je me suis vite ennuyée dans les produits, c'est-à-dire que j'avais envie d'utiliser beaucoup plus de produits en fait. Donc du coup je vais rajouter un petit peu plus de produits pour m'amuser un peu plus quand même. Et du coup je vais rajouter pour commencer une lotion, c'est pas vraiment une base, c'est vraiment une lotion, donc c'est de chez ELF, c'est la Oil Control Liquid Lotion. C'est une lotion qui va éviter à la peau de trop regresser rapidement. C'est surtout pour quand j'utilise des produits très gras, très huileux, pour en gros que ça fasse pas trop d'huile quoi. Je rajoute aussi une base contour des yeux, c'est la Revolution Line Fix Under Eye Primer de la gamme Rehab, dans un petit pot comme ça. Je me dis que bah faut que j'utilise, mais après voilà, c'est pas exceptionnel, bon voilà, ça réhydrate bien le contour des yeux et voilà, faut pas en mettre trop, bon voilà. Ça je pense que je la laisserai en Project Pan du coup, vu que j'en ai qu'une contour des yeux. Et du coup la dernière base qui va remplacer du coup la hydratante qui va bientôt être terminée, c'est celle-ci, c'est la Pretty Fresh Hydrating Hyaluronic Acid Primer. Et en fait c'est une base de chez Colourpop qui est censée ne pas être de cette couleur. Donc pourtant je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais je pense que c'était l'un de leurs derniers stocks. Du coup la base, bah je crois qu'elle est sortie il y a 2 ou 3 ans. Du coup bah la contenance, même si c'était pas ouvert, ça a quand même changé de couleur. Donc je veux l'utiliser rapidement. Écoute, elle sent bon, je l'aime bien en plus. Elle est hyper hydratante, je l'ai déjà utilisée 2 fois et franchement je suis super contente de l'intégrer dans ma rotation hein. Fond de teint, j'avais 2 fonds de teint. J'avais le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'ai pas mal utilisé. Je sais pas si vous allez voir, je vous mets de ce côté là, il est arrivé ici, donc il est, en fait il reste la moitié hein, clairement, donc je l'ai pas mal utilisé, il est plutôt matifiant, il est très couvrant, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que des fois quand il faisait 40 degrés j'avais pas forcément envie de mettre une haute couvrance comme ça. Et j'avais aussi le Glowish by Huda Beauty, voilà, que comme on peut le voir hein, j'ai beaucoup utilisé le Glowish et vraiment je l'aime tellement d'amour que lui je l'enlève de ma rotation pour pouvoir le réutiliser plus tard. Le Airbrush Flawless aussi je l'enlève parce que j'ai décidé de mettre un autre fond de teint hyper couvrant et puis je pense que je le réutiliserai du coup l'année prochaine. Et là j'en intègre plusieurs, un fond de teint couvrant pour remplacer un peu le style Charlotte Tilbury et tout ça. Je vais intégrer celui-ci, donc le IRL Filter de chez Makeup Revolution. Donc c'est l'un des derniers fonds de teint qui vient de sortir. Moi j'avais acheté 2 teintes pour pouvoir mélanger, avoir une teinte plus foncée ou une teinte plus claire. Voilà, il est quand même assez couvrant, il tient très bien, il a quand même un effet lissant sur la peau, il est pas très perceptible sur la peau je trouve, donc écoutez je suis très contente d'intégrer ce fond de teint dans ma rotation. Ensuite, fond de teint plutôt hydratant, j'ai choisi le Skin Equals de chez Madara. Madara qui est une marque naturelle. Voilà, et écoutez, ce fond de teint, je l'aime beaucoup, j'ai déjà essayé aussi quelques fois. Il est assez hydratant, c'est pas que ça te nourrit la peau, mais tu sens que c'est... Ouais, c'est hydratant, voilà, je sais pas comment dire d'autre. Par contre, la teinte, elle est un petit peu trop neutre pour moi. Pour moi, ça fait un peu fade. Du coup, j'ai 2 autres produits pour mélanger avec celui-ci. Je vais alterner entre les deux par rapport au rendu que je veux. Si je veux le mélanger pour avoir un rendu plutôt hydratant, naturel, sans avoir un effet trop glowy, je vais le mélanger avec celui-ci. C'est le Sol Body Face and Body Makeup, que moi j'ai en teinte 10. Donc en fait c'est un fond de teint pour le corps et le visage. Moi je l'utilise uniquement pour le visage. Mais vu que c'est un fond de teint pour le corps, je pense que les teintes sont un petit peu plus foncées
pour le visage. Donc un médium 10. Encore, ça ressemble plus à un médium dark. Voilà. Et du coup, il est un peu trop foncé pour moi. Mais voilà, pour le mélanger, je trouve que ça va être pas mal. Et je pense que celui-ci, je vais le laisser aussi dans mon Project Pan pour l'utiliser au maximum. Et ça me permettra de foncer les fonds de teint quand il y a besoin. Il est très très fin sur la peau, il est imperceptible. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, donc je suis très contente de l'intégrer aussi. Et du coup, si jamais je veux un rendu plutôt fluide, plutôt très glowy, plutôt très imperceptible sur la peau, je vais le mélanger plutôt avec celui-ci. Ou lui, je peux même l'utiliser tout seul, mais il est quand même assez foncé. C'est le Clean ID 24h Hyper Hydro Clean Tint de chez Catrice. Voilà, donc c'est un fluide teinté pour le visage qui est très très hydratant, ma foi. Hein. T'as l'impression que c'est de l'eau un peu... liquide, voilà. Que d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo Catrice il y a pas très longtemps. Je vous laisse, la laisse là. Je fais un crash test entier de toute la marque Catrice. Donc, allez voir, hein. Anti-cerne, maintenant, j'avais le ELF Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Et comme vous pouvez le voir, il en reste très très peu. Donc il me reste que le fond. Je suis trop contente parce que du coup, je vais le terminer. Vraiment, moi, je suis trop contente. Donc lui, je le laisse dans ma rotation pour le terminer. Donc c'est un Project Pan. Vous avez compris maintenant, je pense que je l'ai assez répété. Et du coup, quand il sera terminé, je vais me mettre à utiliser celui-ci. En fait, dans mes plus anciens anti-cernes, ils sont encore trop clairs. Donc du coup, j'utilise un nouveau. Et que j'aime beaucoup, j'ai utilisé 2-3 fois aussi. De chez Colourpop. Voilà, c'est le No Filter Concealer. Il a un rendu mat celui-ci. Celui de chez ELF qui est très hydratant, celui-ci a un rendu mat. Donc bon. Mais moi, j'aime bien les rendus mat, donc ça me dérange pas. En plus, il tient tout seul, j'ai pas besoin de le poudrer celui-ci. Donc c'est franchement, c'est super bien. Ensuite, bronzer crème. J'avais celui-ci, le Cheeks Out Cream de chez Fenty que j'ai en teinte Teddy. Et je vous l'avais dit dans le test de ma rotation make-up que je suis pas fan de ce bronzer là. Vraiment, je... Il est joli, hein, mais vraiment, je suis pas fan, je sais pas pourquoi. C'est la texture qui me dérange. J'arrive à le travailler, je le trouve joli sur le visage et tout. En fait, dans la façon dont tu l'étales, il est un peu collant. Il glisse pas, il se fond pas comme ça. Donc lui, du coup, je l'enlève, je le remets dans mes tiroirs, tout simplement. Et du coup, je prends deux nouveaux bronzers crème. Pareil, j'utilise les plus foncés que j'ai de ma collection. C'est le Beauty Bronzer de chez ELF que j'ai en teinte Bronzed Pearl. Il paraît très foncé comme ça, mais estompé, il est pas du tout aussi foncé. Je le mets ici, pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est pas non plus archi foncé, quoi. Si tu l'estompes un petit peu... Donc lui, qui a une teinte un peu plus neutre que l'autre que je vais utiliser. J'adore la texture. Lui, tu vois, à contrario du Fenty, il s'estompe beaucoup mieux, il se fond beaucoup mieux. Enfin, je préfère. Et du coup, j'utilise aussi le Sol Body, parce que lui, je suis trop fan. J'ai pris deux teintes aussi. Du coup, je prends la fonce pour là encore quand il fait encore beau et que je suis encore bronzée. Donc le Sol Body Face and Body Bronzing Balm en teinte dark. Et ça, c'est un gros contenant énorme qui fait combien de grammes déjà? Je ne sais plus. 31 grammes. Qui sent à mort bon, ça sent les vacances, ça sent les cocotiers et tout au bord de l'eau. Du coup, voilà, la couleur est beaucoup plus chaude en fait. Mais ça reste assez foncé. Et je vais le mettre au-dessus pour vous montrer la différence de teinte. Vous voyez, ça c'est le ELF, ça c'est le... Sol Body. Si je veux une teinte plutôt neutre, voire froide, celle-ci. Si je veux une teinte plutôt chaude, je mettrai celle-ci. C'est aussi simple que ça. Ensuite, blush crème. J'avais le Beauty Blush en teinte Fiji, la teinte rouge de chez ELF que j'ai adoré utiliser. Franchement, je l'ai adoré. Puis le rouge, bon, en étant bronzé, ça passe beaucoup mieux. Franchement, j'ai trop trop kiffé et je me tâte à le laisser. Je sais pas pour l'instant si je le laisse. Je vais d'abord voir un petit peu avec les autres. J'ai un rose comme ça de chez Makeup Revolution Fast Base Blush en teinte rose. Et puis j'avais aussi un pêche. Donc lui, je crois que la teinte, c'est peach. Voilà. Ma foi, j'ai bien aimé les utiliser. C'est des rendus assez glowy, assez lumineux. Mais bon, je trouve ça dommage parce qu'il faut les poudrer, sinon ils bougent trop ceux-là. Du coup, le fait glowy s'en va un petit peu, tu vois. Mais j'ai plus préféré la teinte pêche. La teinte rose, je crois que je l'ai portée une ou deux fois. Donc bon, trop rare pour que je le garde, je pense. Donc lui, je l'enlève. Le pêche, je l'enlève aussi. Le Fiji, je vais le laisser dans ma rotation. Je l'aime trop. C'est le seul blush rouge que j'ai, donc je vais le garder pour l'instant. Et du coup, les blush crème que je rajoute, c'est le Rare Beauty en teinte Joy, c'est le... je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc c'est un blush orangé, hein, je vais vous montrer. Très très pigmenté. Tu vois ce que je veux dire? Il t'en faut très peu et tu peux te peindre le visage avec. Hein. Et du coup, deux autres de chez ELF, des Beauty Blush, donc un Luminous Beauty Blush et un deuxième Luminous Beauty Blush. Donc d'abord la teinte Barbados, c'est une teinte assez marronnée comme ça. Voilà, c'est orangé marronné, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment retour de vacances. J'aime trop. Et la deuxième teinte, c'est la Belize. Je l'ai pris parce que celle-là, du coup, ça va être un blush crème naturel. Je me suis dit si j'ai envie de naturel. Qui lui est vraiment un rose corail archi lumineux. Trop trop beau. Voilà, donc c'est mes blush crème. Hyper liquide. J'avais ce gros flacon de chez Huda Beauty. Donc c'est le Nymph Body Highlighter en teinte Luna. Et en fait, il est déjà utilisé à peu près à moitié. Quand je suis vraiment à la lumière, je réussis vraiment à le voir. Il est à peu près ici, voilà.
Donc il reste encore tout ça. Le problème c'est que ce que je trouve qui est dommage avec cet highlighter là, c'est que quand je l'utilise par exemple du coup en highlighter crème, donc avant de poudrer, si tu poudres par dessus, je trouve que le rendu il est pas très joli, il est pas très fin et fondu. Donc du coup bah, je l'ai utilisé de moins en moins au fur et à mesure malgré que je l'adore. Là j'ai sorti tellement d'highlighter que je vais l'enlever et je le remettrai plus tard dans ma collection, enfin dans ma rotation je pense. Et un highlighter crème. J'avais aussi mis celui-ci, donc le Be Perfect Get Wet en teinte Soft Silk, qui du coup est une teinte très bronze. J'ai adoré l'utiliser. On le voit, il est devenu plat. Logiquement, c'est quelque chose de bombé et il est assez plat. Je l'utilise un max. Pour un max de bonheur. Tu vois? Waouh! À vous d'être tombé amoureux ou amoureuse. Hein. Vous êtes tous les bienvenus. Hein. Donc je l'enlève de ma rotation. Du coup, je remplace par des highlighters liquides aussi. Tout d'abord, pour avoir une sorte d'highlighter doré naturel, je vais lui ramener ce tout petit highlighter. Regardez comme il est tout petit! De chez You Are Cosmetics. Il est déjà utilisé à la moitié. Je vais le laisser dedans pour pouvoir le finir. La teinte Gold, qui est dans la gamme essentielle. Mais You Are Cosmetics, le site a changé. Enfin bref, c'est bizarre. Donc écoutez, je sais pas si vous pouvez le commander ou pas. Voilà, donc c'est un produit, vous savez, ça coûtait 15 euros. Bon bref, je vous ai fait une vidéo aussi dessus. Allez, là-bas. C'était il y a longtemps, j'avais le cheveu court. Oh, il a été rosé, je vais mettre celui-ci de chez Rare Beauty. Donc c'est le Liquid Luminizer en teinte Mesmerize. Et vraiment, il est très très beau cet highlighter-là, sauf que bah, il est quand même assez naturel. Hein. Vous savez que moi j'adore le bling. Et voilà, j'ai quand même envie de l'intégrer. Parce que des fois, j'ai envie de naturel. Hein. Je suis pas toujours en train de me tartiner la face de paillettes et de vert fluo. Et pour compléter, pour avoir tout type de couleur d'highlighter, crème, hein, on est que dans les crèmes pour l'instant. Après, il y a les poudres. Je vais rajouter aussi cette palette d'highlighter de chez Colourpop que j'ai acheté très récemment. Je vous avais fait aussi une vidéo dessus. Et franchement, j'aime trop ces teintes. Quand je l'ai testé, c'était pas mon produit préféré, mais en fait, à utiliser au quotidien, je trouve que c'est d'une beauté. Vous voyez, c'est une harmonie de couleurs trop intéressante. Il y a un violet, un rose, mais vraiment rose, un corail doré et une sorte de pêche clair au sous-ton rose. Ces highlighters, ils sont incroyables. C'est des textures super choc, donc c'est assez crémeux. Ces deux-là sont pailletés, donc le violet et le corail. Et les deux autres sont juste satinés, mais c'est d'une beauté. Comme ça, moi, peu importe le look que je fais, je peux forcément trouver un highlighter qui ira avec. Et c'est la palette foncée. Il existe aussi la version claire, qui était moins intéressante à mon goût. Et du coup, je regrette pas du tout. Et j'ai trop hâte de l'utiliser parce qu'elle est magnifique. Maintenant poudre, hein, on est content parce que ça avance. Donc en poudre j'avais celle-ci, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de chez Huda Beauty, qui est une grosse poudre comme ça, blanche. Enfin la Sugar Cookie c'est la teinte blanche, qui est du coup une teinte universelle, hein, on peut l'utiliser sur toutes les peaux, mais qui blanchit légèrement quand même, hein, qui éclaircit quand même le teint je trouve, et puis surtout qui est beaucoup trop matifiant. Le problème c'est que vu que maintenant j'utilise tout le temps mes taches de rousseur avec ce produit là, je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo où je vous montre que maintenant je fais des taches de rousseur, qui dit poudrer taches de rousseur dit mettre beaucoup de poudre quand même pour fixer. C'est pas juste tu prends un petit peu de poudre sur ton pinceau puis tu balayes le dessous des yeux, non, faut fixer, faut presser la poudre contre la peau pour que vraiment ça fixe. Du coup celle-ci est trop matifiante pour cet usage là, donc celle-ci je l'enlève de la rotation. Et du coup je vais intégrer plutôt celle-ci, la Halo Glow Setting Powder de chez ELF, qui est une poudre que j'adore et que j'ai vraiment hésité à mettre dans ma rotation parce que je l'aime trop et j'ai pas envie de la terminer. C'est une poudre qui est pas trop matifiante en fait, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu te poudres le visage avec, mais ça va pas te tirailler, ça va pas te lifter la face. Maintenant bronzer, j'en avais deux bronzer poudre je précise. J'avais le Liss Beauty que franchement j'ai adoré utiliser, c'est le No Limit Matte Bronzer, c'est la deuxième plus claire en teinte Harmony, donc la teinte médium en fait, voilà, et que franchement j'ai vraiment adoré utiliser. C'est vraiment un très très beau bronzer, et ma foi regardez, ça s'est quand même bien utilisé je trouve, ça a créé un petit trou dans le bronzer. Donc ça je l'enlève de ma rotation parce que j'ai envie d'en utiliser d'autres. Et j'avais aussi le Sun Kissed Glow de chez Max & More, qui est du coup l'highlighter de chez Action, qui est en gros comme ça, énorme. Et ma foi, je pensais que ça allait être trop lumineux, que ça allait être un highlighter, finalement c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'utiliser par-dessus ou juste tout seul. C'est vraiment très très lumineux, c'est vraiment limite highlighter, oui, mais j'ai adoré. Ça donnait des nacres dorées, j'en mettais aussi beaucoup sur le buste et tout. Franchement, j'ai adoré. Je le laisse dans ma rotation parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, les bronzers que je rajoute le Colourpop Matte Bronzer Silver Strand Beach, donc qui est l'un des derniers qui est sorti, hein.
qui est magnifique. Et qui lui, qui est vraiment un bronzer poudre chaud. Et là, c'est chaud et franchement, j'aime beaucoup le rajouter. Ça me fonce pas le teint, ça me réchauffe juste. Et ça, j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je l'intègre. Et du coup, pour vraiment marquer, pour vraiment avoir un effet très bronzer limite contouring, je vais utiliser celui-ci. Et en plus, il est satiné. Bronzer de chez Beauty Bay en teinte donut. Et qui, du coup, une teinte un peu plus froide, vous voyez. Je pense que ça va suffire juste pour accentuer le bronzer. Ensuite, blush. On avance. J'en avais trois. J'avais le Reloaded Peach Bliss que j'ai beaucoup aimé, qui est un rose corail. C'était très joli. C'était un petit peu pêche, voilà. Je l'ai mis juste ici. Voilà. Bon, voilà. Il était très bien, mais je vais l'enlever pour varier. J'avais aussi un rose de chez Max & More. La teinte, c'est Pink Coral. Voilà. C'était plus un rose, quoi. Que j'ai aussi pas mal porté, mais je vais l'enlever aussi parce que rose, j'en ai ma claque. Là, j'avais trois blushs roses. Et du coup, un blush lighter. Et finalement, plus j'utilise, plus en fait, je me dis, c'est juste un highlighter. Donc, c'était de chez Wet n Wild. C'était le Hello Halo Blush Lighter. Voilà, en teinte Highlight Bling. Et en fait, il y avait deux côtés. C'est vraiment incroyable. On croirait vraiment des highlighters. Hein. Un rosé et un plutôt blanc que je n'utilise jamais parce qu'il est trop clair. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Je le mettais souvent en topper de blush. Mais je vais l'enlever quand même. Je le réutiliserai plus tard. Du coup, un blush, j'intègre. Vu que j'ai pas mal de blush crème, j'ai pas mis beaucoup de blush poudre. J'ai mis un pêche. Donc celui-ci de chez ELF, c'est le Bit Size Face Palette. Qui est un blush et un highlighter. Donc c'est surtout pour avoir un blush vraiment plutôt pêche comme ça. Et il y a un côté highlighter. Je les ai pas mal utilisés hein, parce qu'ils sont vraiment bien. Ces petites palettes là, elles coûtent 4€ chez ELF, c'est vraiment une tuerie. Je sais pas si vous verrez, voilà, pêche et l'highlighter qui est aussi très... qui est bien lumineux pêche, c'est très joli aussi. Donc. Un plus orangé rouge, orangé rose limite même. Le blush de chez Beauty Bay en teinte Blossom, qui lui est un irisé doré. Il ressemble beaucoup, pour ceux qui ont le blush NARS Orgasm, il ressemble beaucoup. Voilà, ça va être canon. Et du coup, encore un blush de chez Beauty Bay, mais en teinte Bloom cette fois-ci. Une teinte plutôt froide. Vous voyez, c'est une teinte toujours lumineuse. Je suis à fond lumineux en ce moment. Mais... Ensuite, du coup, on passe aux highlighters. Hein. J'avais trois highlighters poudre. Tout d'abord, je vais vous parler de celui-ci. Le Supreme Frost en teinte Frozen Peach de chez Jeff Star. Pas du tout aimé. Enfin, je savais en fait que j'allais pas l'utiliser. Il est quasiment neuf le bordel, vous voyez. Mais en fait, je n'utilise pas. C'est trop fade. C'est pas assez scintillant. Moi, j'avais acheté les Supreme Frost pour que ça soit suprême, hein, tu vois. Ça, ce n'est pas suprême. Ça, c'est un highlighter pêche très simple qui n'est limite invisible sur la peau. Donc ça, je le retire carrément de ma collection. Voilà. Et ensuite, j'en avais mis deux de chez Sol Body parce que je suis fan de Sol Body. Toi-même, tu sais si tu connais Sol Body. J'avais mis deux teintes. J'avais mis le Lunar or Letters, qui lui est une teinte plutôt champagne. J'ai vraiment adoré utiliser cet highlighter. Oh my god. Magnifique, franchement. C'était une beauté. C'était magnifique. Je le range dans ma collection. Hein. Ça a commencé à s'accumuler les highlighters. Ça va pas du tout cette histoire. Et du coup, la deuxième teinte, c'était la Pretty Peachy. Et qui, du coup, lui, était un rose foncé doré. Et vous savez, c'est une texture à moitié crémeuse. Oh my god. Et vraiment, c'était de toute beauté. C'était incroyable. Je l'enlève aussi. Parce que j'en ai mis d'autres, hein, évidemment. D'ailleurs, les autres que j'ai rajoutés, commençons par le Jeff Star, hein, vu qu'on a commencé par le Jeff Star tout à l'heure. Celui-ci, donc, toujours le Supreme Frost, mais cette fois-ci en teinte Money Honey, qui, du coup, est une teinte verte. Teinte verte et rose. Tu vois cette beauté? Ouh, je vous mets juste en dessous. N'est-ce pas incroyable? Et ça, ça envoie du lourd, tu vois. Ça, c'est flashy, c'est impactant. Ça, j'adore. C'est de la paillette. Hein. Donc, vous savez que j'adore la paillette. Ensuite, on va rester dans de la paillette. J'en ai pris deux de Sol Body, évidemment. Shimmering Body Powder. Donc, la teinte Pink Champagne. Qui, du coup, est aussi un rose doré, mais plus clair. Vraiment, la texture est hyper crémeuse. C'est du beurre. Clairement, c'est du beurre. Et du coup, la deuxième teinte que je rajoute, c'est la Warm Gold. Et celle-ci, j'ai décidé de la rajouter parce que bah, elle est assez foncée. Il faut que j'utilise maintenant parce qu'après, je vais blanchir et je pourrai plus l'utiliser. Un bronze, un doré foncé. Voilà, c'est un doré chaud. Et pour avoir des highlighters peut-être un petit peu plus classiques, on va dire ça comme ça, j'ai décidé d'intégrer cette petite palette que j'adore, la Rose Gold Glow de chez I Love Revolution. Cette petite palette en forme de tablette de chocolat qui est trop mignonne. Et du coup, il y a deux highlighters, un plutôt rosé et un plutôt doré, qui sont tous les deux très très beaux, hein, vraiment. Voilà, mais qui sont plutôt naturels, plutôt satinés, voilà. Et du coup, ça peut être sympa quand tu vas garder un truc naturel. Du coup, spray fixateur maintenant. Figurez-vous que j'ai terminé ce spray fixateur, le You Are Spray Matte Effect. C'est un spray fixateur de chez You Are Cosmetics, qui était très bien, qui fixait bien. L'effet mat, j'ai pas forcément vu, mais j'ai pas vu d'effet glowy, donc j'imagine qu'il était très bien matifiant. Voilà, donc lui, poubelle. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi bien utilisé celui-ci, le Glow Revolution Prime. Cette glow en teinte bronze, je crois, parce que si tu le secoues,
Il est bronze, c'est incroyable. J'avais vraiment peu d'espoir de l'utiliser autant parce qu'il est très très gros et le produit arrive jusque là, donc j'ai quand même utilisé toute la moitié. Et il fait quand même 200 ml. Mais voilà, il laisse des nacres bronze, c'est vraiment très joli. J'en mettais aussi beaucoup sur le corps et tout. Bon, comment dire, on se retrouve bien plus tard, d'accord? C'est un autre jour, clairement. J'ai une tête de fatiguée, on est le soir. Je n'en peux plus, je termine cette vidéo. 5 jours après, je ne sais plus. Oh. Donc je crois que je m'étais arrêtée au spray fixateur. Donc on va reprendre au spray fixateur, d'accord? Donc, je disais, rappelle-toi, j'aime pas le spray, le pchit, ça je vous l'ai déjà dit, ça fait plein de petites particules et ça c'est très très chiant. Par contre, c'est très joli quand tu l'appliques sur le corps et tout, bref, c'est assez pratique et il est assez hydratant. Donc ma foi, j'ai quand même bien aimé, mais je le retire, je le réutiliserai plus tard. Et du coup, en spray brillant, je vais rajouter celui de Iconic London, le Prep 7 Glow. C'est en version originale, donc c'est celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, quand on le secoue, il y a des jolis nacres. Le spray est merveilleux, il est très fin, très diffus. Voilà, il y a plein de nacres très jolis, un peu rose doré, très très joli, très très magnifique. Attention, il y a des micro paillettes là-dedans. Attention, vêtements noirs, vêtements bleu marine, vêtements foncés, les paillettes elles vont se voir dessus. Hein. Et ça tient, c'est du spray fixateur quand même. J'aime bien, ça donne un très beau glow, sans faire gras. Je kiffe, je le rajoute. Et en spray fixateur, juste fixateur, je vais ajouter le Tarte Stay Spray. Qui lui est un super spray fixateur aussi. J'ai déjà pas mal utilisé, hein. Je sais pas, je pense qu'il doit me rester ça. Il sent le concombre. Cette brume est d'une finesse incroyable. Je pense qu'après je vais garder le flacon pour transvaser les autres dedans. C'est un spray fixateur qui va bien fixer sans avoir un effet trop lac, trop cartonneux. Il est hydratant, ça sent le concombre, il faut aimer. Mais moi j'aime beaucoup, donc je l'intègre aussi. Donc les lèvres, j'avais le petit rouge à lèvres de chez NYX, comme ça. En teinte canne, c'est le Lip Suede Matte Lipstick. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé. C'est une teinte neutre sur moi. Vraiment, ça fait un... Vraiment, c'est limite la couleur de mes lèvres un tout petit peu plus soutenue. C'était très joli. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Il sent encore bon. Je vais le ranger. Je le ressortirai avec plaisir une prochaine fois, vraiment. J'avais un liquide mat comme ça de chez You Are Cosmetics. Donc, c'est le You Are Lipstick Liquid Matte que j'avais en teinte Raspberry. Et je ne l'ai pas du tout utilisé. Et comme je ne l'ai presque jamais utilisé de ma vie, je vais tout simplement m'en séparer. Et j'avais 3 glosses, notamment le Fenty, le Gloss Bomb, comme ça, en teinte Diamond Milk, que j'ai un petit peu utilisé, que j'utilisais plus en baume à lèvres. C'est une couleur assez froide en fait, même si c'est juste un gloss transparent, ça laisse quand même un fini assez, assez froid, assez blanc. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets au quotidien. Je le mettais surtout en baume à lèvres en fait. Je vais le garder pour l'utiliser toujours en baume à lèvres, donc je le laisse aussi dans ma rotation pour ça. Et j'avais 2 glosses de chez ELF, j'adore, surtout celui-là, le vert. Mint Melt Lip Plumping Gloss que j'avais en teinte mint. Et en fait c'est un gloss qui a des paillettes trop trop belles, bleu, vert, rose. Enfin, franchement j'aime beaucoup ce gloss. Ce qui est chiant c'est qu'il faut, pour prélever assez pour sa bouche, il faut le sortir, le rentrer pour en mettre sur sa bouche. Donc ça c'est assez chiant, mais j'aime bien, ça fait un petit effet mentholé sur la bouche. Lui je le garde dans ma rotation pour avoir un gloss pailleté. Je vais le finir, je l'aime beaucoup. Et du coup le dernier c'était le lip gloss de la gamme Cookie and Dream, cette fois-ci le noir. Lui ça, la teinte c'est Cookie de rêve. C'est un gloss qui va foncer le rouge à lèvres ou tout simplement la couleur des lèvres quand on le met tout seul. Vous voyez, donc ça donne un côté un peu lèvres mordues qui est assez sympa. Je vais l'enlever parce que je l'utilisais pas trop. Maintenant, ce que j'intègre, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. J'ai décidé de faire des combos. C'est un petit peu comme les blushs et comme les highlighters. J'avais pas assez en fait de possibilités. Donc je vais d'abord vous montrer la combinaison rouge. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres rouge de chez Beauty Bay. Donc c'est le Juice qui est un magnifique rouge orangé mais d'une beauté incroyable et ça va être trop trop beau. Ils sont trop bons ces rouges à lèvres, je les adore les rouges à lèvres Beauty Bay franchement. Du coup que je vais associer avec un crayon à lèvres rouge, c'est un de chez You Are Cosmetics, c'est le Spicy. Donc je le rajoute, je vais aussi rajouter un taille crayon parce que c'est un crayon de bois donc il faut le tailler. Ensuite en combo marron, j'ai choisi encore un rouge à lèvres de chez Beauty Bay, celui-ci c'est la teinte Cola, voilà qui est un très beau marron chaud. J'ai hâte de le porter aussi, j'adore les rouges à lèvres marron, j'ai... C'est mon dada aussi. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris le crayon Beauty Bay qui va avec, qui est le Vintage. Je crois que c'est pas lui, si c'est celui qui va avec, donc c'est un crayon marron. Voilou, voilou. Ensuite, combo nude. J'ai pris 2 rouges à lèvres nude, donc un de chez ELF, c'est le Nectar. Je crois que c'est les satins RL, je sais plus quoi. C'est un très beau neutre, un tout petit peu pêche comme ça. Franchement, il est très très beau. Que je vais aussi associer avec ce rouge à lèvres que j'ai eu chez Action, de chez Max & More, qui est en teinte crème brûlée, qui est très très beau et un tout petit peu plus clair, comme ça je le mettrai au centre des lèvres. Et du coup pour aller avec ces petits rouges à lèvres, j'ai décidé
d'ajouter ce crayon qui est un crayon pareil nude mais légèrement rosé. Enfin, ça reste dans du nude assez classique. C'est toujours un crayon de chez Max & More, sauf que cette fois-ci c'est la teinte Muffin. L'avantage c'est que c'est un crayon rétractable. J'ai aussi un combo orangé. Donc j'ai choisi ce rouge à lèvres de chez You Are Cosmetics, le You Are Lipstick Intense en teinte Firelle, qui est un très beau corail comme ça, magnifique. Et le crayon qui va avec, c'est tout simplement le crayon qui était vendu en combo avec. Donc c'est le You Are Lip Liner en teinte Capucine. Je les aime bien ce crayon là. Le rouge à lèvres par contre, je l'ai déjà testé plusieurs fois et c'est vrai qu'il faut avoir les lèvres quand même assez hydratées. Si jamais t'as les lèvres qui sont un tout petit peu gercées quoi que ce soit, ça va marquer. Oh, mais la couleur est très belle donc du coup, voilà, il suffit bien d'hydrater ses lèvres au quotidien et logiquement ça devrait le faire. Le dernier combo, c'est un combo rose flashy de chez Colourpop. Donc c'est le crayon Lippy Pencil en teinte I Hurt This et le crayon Lippy Stick en teinte I Hurt This. Ça va ensemble en fait. Voilà, c'est un combo magnifique hein, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, que j'adore. Et du coup, il nous reste les glosses. Donc j'ai pris deux glosses. J'ai pris deux glosses neutres parce que j'ai déjà pris un gloss à paillettes. Et j'ai encore le gloss bombe paillettes blanche pour utiliser en baume. Donc je vais rajouter un gloss bombe, mais cette fois-ci marronné, orangé un peu. J'ai pris celui-ci en teinte Fenty Glow, le classique. Et le dernier gloss, c'est pour compléter mon look nude, mais en mode glossy. J'ai pris un gloss le plus clair de chez Beauty Bay, celui en teinte balai, qui est très très clair. Donc vraiment à mettre juste au centre des lèvres. Voilà, pour avoir un rendu voilà, le plus complet possible. Du coup maintenant passons aux yeux. Et pour les yeux il reste les palettes. Et je vais rajouter un petit truc supplémentaire. D'abord je vais faire les palettes, après je vous en parle. En palette j'en avais trois, j'avais ces trois là. Donc j'avais pour commencer la Bright Matte classique de chez Beauty Bay. Voilà, Bright Matte, plein de couleurs et tout. Bah voilà, je l'avais sortie pour pouvoir l'utiliser. Bah je l'ai utilisée en complément d'une autre palette. Je n'utilise jamais seule. C'est rare que je fasse des maquillages arc-en-ciel comme ça. Du coup bah celle-ci du coup je la garde. Je l'aime beaucoup finalement, mais je la retire de ma rotation. J'avais aussi la palette Révélation de chez Fabian Cosmetics que j'ai aussi beaucoup aimé. Elle c'était plus du coup pour les couleurs un petit peu plus neutres. Je ne dirais pas qu'elle est totalement neutre, attention. J'ai beaucoup aussi utilisé les deux lumineux que j'ai vraiment pas mal aimé. Je l'aime toujours autant cette palette. Les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien, les lumineux sont très lumineux, très impactants. Franchement, je l'aime beaucoup, donc je le garde dans ma collection et je la ressortirai avec grand plaisir. Mais là, elle sort. Et la dernière, c'était la Glamlight Ice Cream Dream de chez Glamlight, que j'aime beaucoup, dans des teintes pastel. Ma foi, celle-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisée. Je me tanne à chaque fois à la sortir et finalement, celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée parce qu'il y a des petites teintes comme ça qui me plaisait aussi beaucoup. La teinte Mochi, je l'adore. Un petit rose comme ça, pastel, mais assez vibrant quand même. Voilà, les lumineux, ils étaient... Voilà, c'est la seule palette où il y avait beaucoup de lumineux, donc je me servais beaucoup de ces lumineux-là aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil que pour la Bright Matte, je ne faisais pas des total looks avec. Donc, écoutez, un retour dans ma collection pour une prochaine utilisation, d'accord? Et du coup, ce que je vais rajouter... J'ai sorti trois palettes. On va commencer par la plus grande. Je vais commencer par une palette de neutre. La Révolution X Patricia Bright, mais qui est une bonne petite palette très sympa, vous voyez, donc les teintes sont assez neutres, hein. Franchement, il y a un tout petit peu de couleur, mais vraiment il y en a un tout petit peu, la plupart des fards sont neutres. Et voilà, si j'ai envie de me faire des make-up un peu plus neutres, bah écoutez, je pense que je vais utiliser cette palette. Je l'ai quand même déjà pas mal utilisée comme vous pouvez le voir, les lumineux sont très très beaux et je pense que je vais vraiment beaucoup m'amuser avec cette palette. Ensuite, je vais sortir celle-ci, la Sunset Horizon de chez Beauty Bay, que j'aime beaucoup, que je n'ai pas utilisée beaucoup et franchement elle est tellement belle qu'il faut que je l'utilise, donc c'est pour ça que c'est l'occasion de la sortir. Voilà, un effet coucher de soleil. Il y a des magnifiques bleus, des magnifiques lilas, des magnifiques marron gris taupe. Elle va être magnifique, je pense. Puis la qualité Beauty Bay est merveilleuse, n'est-ce pas? Et je vais intégrer une nouvelle palette que j'ai reçue que je n'ai encore jamais essayée. Donc je vous ferai sûrement mon look rotation make-up avec celle-ci, vu que je ne l'ai encore jamais utilisée. C'est la Serenity Palette de chez Cosmic Brushes. Cosmic Brushes, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Comme je vous ai dit dans mon haul, on m'a donné envie de l'acheter. Elle coûte pas très cher, c'est un peu comme les Beauty Bay. Mais voilà, dans les tons verts, dans les tons bleu, lilas. Il y a des fards qui ont l'air incroyables. Franchement, j'ai trop hâte. Ce fard, il a l'air incroyable. Ouh. Oh là 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 là. Non, franchement, elle a l'air trop belle. Et pour terminer, j'ai des petits produits que j'aimerais rajouter. Notamment, j'aimerais rajouter une palette de paillettes. Parce que c'est vrai que je les utilise pas beaucoup non plus. Et puis, cette petite palette est très sympa, comme on peut le voir, avec toutes ces petites couleurs un peu chaudes, un peu nude. Mais voilà, c'est des petites paillettes très très jolies, qui tiennent super bien. Moi, je rajoute quand même une base à paillettes, hein, je vais vous la montrer. On va voir si je vais la sortir. Mais je vais essayer d'en rajouter quand même de temps en temps. Pimper un peu un look, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je vais rajouter évidemment, pour fixer mes paillettes, ce petit produit de chez Carla Cosmetics.
fixe qui s'appelle, je ne sais plus, la Fix Potion, mais que tu mets juste avant d'appliquer tes paillettes pour que ça accroche bien en fait et que les paillettes ne tombent pas sur ton teint tout au long de la journée. Mais j'ai aussi envie d'utiliser des fards mono liquide crème, enfin voilà, pour les intégrer. Par exemple, si j'ai juste envie de me faire juste un truc uni, très simple, ou juste un truc pour pimper, un look nude, je sais pas. Je prendrais bien ce petit fard là que j'ai utilisé dans l'une de mes dernières vidéos. C'est le Jelly Matte Shadow de chez Colourpop, qui est un fard gelé métallique. Incroyable! Et ce fard est d'une pigmentation, je vais vous montrer, d'une pigmentation et d'une brillance incroyable. Regardez, mon doigt brille aussi de mille feux. D'une beauté, c'est rose doré, c'est vraiment très 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 joli. Donc ça va tuer. Et puis ça tient super bien, j'essaie de le frotter sur la serviette pour l'enlever, ça ne s'en va pas. Et puis je vais rajouter quand même, pour bien tester ces fards là en tant que base, je vous ai fait une vidéo là-dessus très récemment, les nouveautés ULF, c'est les No Budge Cream Eyeshadow. Et cette teinte, c'est la teinte Oasis. Donc à voir, je vais tester ça. Je pense qu'on a terminé cette vidéo. 3 jours plus tard, il était temps. Mascara, truc à sourcils, je ne l'ai pas dans une rotation parce que c'est tout simplement des produits que j'utilise tout le temps. Toujours les mêmes, ok? On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où je testerai ma rotation. J'espère que vous avez hâte parce que moi, oui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.